Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, exprime des préoccupations concernant la gestion des migrations internationales par les nouvelles autorités sénégalaises. Il souligne le besoin de prendre en compte la réalité des migrations clandestines, souvent négligées dans les politiques traditionnelles du gouvernement. Selon lui, le terme ministère des Sénégalais de l'extérieur reflète un schéma classique qui ne correspond plus à la complexité et à la diversité des flux migratoires du Sénégal, un pays au carrefour des migrations et de la diversité culturelle. Il plaide donc pour une nouvelle approche, axée sur les migrations internationales dans toute leur complexité et leur diversité. Cette approche engloberait la question des réfugiés et du droit d'asile, en adoptant une démarche systémique et transversale. Il met en lumière les défis rencontrés par les migrants sénégalais, qu'ils soient perdus dans le désert ou victimes de naufrages en Méditerranée, et souligne le besoin d'une prise en charge plus efficace de ces situations. Boubacar Sey propose ainsi la création d'un ministère ou d'une agence autonome dédiée aux migrations internationales, Englobant à la fois l'émigration et l'immigration. Il insiste sur l'importance de rompre avec les schémas traditionnels pour mieux répondre aux défis et aux besoins des migrants sénégalais et de leurs familles. Sa position met en lumière la nécessité d'une approche plus globale et proactive face aux enjeux complexes des migrations internationales, dans un contexte où le Sénégal joue un rôle central en tant que terre de départ et de transit pour de nombreux migrants.